vlogmas numéro 12, ça y est c'est le matin, on est tous prêts. Ils avaient annoncé de la neige à 9h mais il neige pas pour l'instant. On va prendre le RER de Val d'Europe à Marne-la-Vallée et ouais, il y a qu'un arrêt de toute façon. Et let's go à Disney. On arrive à Disney, on arrive à Disney, on arrive à Disney, yeah, 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 yeah. On est rentré dans Disney, regardez, ils ont mis le truc des 30 ans pour mes 30 ans et pour leurs 30 ans cette année. Regardez comme c'est beau. Je suis in love. C'est magnifique. 30 ans, yeah. Happy birthday. Amazing. Ah, j'adore, il a les grosses bougies. Ça, le soir, ça doit être trop beau. Ah ben ça, il y a le spectacle. Wow. Sur le chapeau, tout allumé, tout dingue. Magnifique. Comme dans un rêve, c'est trop beau. Oh là 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 là, c'est trop beau. Au revoir Tiki-Tac. Oh, Tiki-Tac, ils s'en vont. Il neige. Je suis trop contente. Ah, il est trop beau. Oh, le gâté. Elle est amoureuse, hein? Elle est amoureuse! Sur vos fiers destriers, escortez dans mon lit la belle Beyoncé. Là, c'est magnifique. Fais une petite danse et tout. Bienvenue à Pirates des Caraïbes. Plutôt stupide de croire qu'il a de laisser autant d'or caché ici dans tous les coins.
Quelques mécréants pourraient être tentés de le voler, non? Le labyrinthe d'Alice, hein. J'espère qu'on va le faire après, mais on va essayer de trouver un truc à manger avant, parce que là on a faim. Petit sandwich, jambon et mental, Mickey Bretzel. Bon app, il y a la parade juste derrière qui arrive. Regarde, imagine tout ce qu'il y a ici, tout autour de nous. Béni au chocolat en forme de Mickey. On en a pris un autre à l'abricot là. Na 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 na. Je monte mon château. Je vais dans ma chambre, excusez-moi. Il y a un peu de monde aujourd'hui, mais pour accéder à ma chambre, c'est compliqué. Il y a une grosse fête ce soir. Waouh. Ah ouais, le chandelier et tout, là, j'adore. Allez, là, va nous faire tomber le rocher. Mon beau chef-d'œuvre. Ouais. C'est mon chat préféré des Disney. Né dans le labyrinthe. Tu es la 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 la. On est enfin arrivé au château. Pinocchio. Dirigez-vous vers le fond d'envol pour lancement immédiat. Vers l'infini et au-delà. Peter Pan. Ouais, c'est trop beau. Wow. Magnifique.
Qu'il est beau ce château. Tiche, la boutique de Noël. On se réchauffe un peu parce que ça y gèle dehors. Trop mignonne. Le monde. Bah là, faut pas se perdre. Pam pam. On se réchauffe dans les boutiques. C'est un bien fou. Il est beau le sac à dos. Ça, c'est le sac des 30 ans, ça. Il est ouf aussi. Bonne chose de Noël. Ouais, c'est la collection de Noël là-bas. Ah, il y a tous les tours de quoi là. Waouh. Le Mickey. Il le s'allume. Stitch. Il s'allume celui-là. Ah oui, regarde, c'est lui, je crois. Ça, c'est version enfant. Et là, c'est version adulte, je crois. Il est tout brillant. Je sais pas si vous pouvez voir. Il a plein de paillettes. Une affiche des 30 ans. Mini Mickey. Regardez-moi ça, il y a le train de Noël qui se vend ici. Il y a Ratatouille avec la tour Eiffel. Mini Mickey. Mickey derrière avec la tour Eiffel. Le pull des 30 ans. Cendrillon, les petites souris. Comme c'est bien fait. Vous l'avez en haut aussi là. Les macarons 30 ans. Waouh. La collection des 30 ans, elle est fabuleuse. Hein. Elle a les petites boîtes aussi là. La cafetière, elle est magnifique. Les coupes des 30 ans. Coupe de champagne 30 ans. Ah, c'est la fête foraine à Planet Hollywood. Il y a Annette là-bas. On va aller voir au moment ce soir. Et après, il faut aller voir le spectacle. J'espère qu'on aura le temps. Comme c'est beau l'entrée de Planet Hollywood à chaque fois. Tout à l'heure, j'ai vu Minnie en cuistot et là, il y a Mickey en cuistot. Trop drôle. Yeah. Avant le spectacle, sous les étoiles, une étrange lumière, la terre entière. Oh Bambi! Waouh, waouh, waouh! Waouh! C'est lui qui fait tout! C'est lui qui fait le spectacle! C'est toujours elle qu'on voit en dernier. Ah oui, c'est vrai. Oui.
on est bien rentré du coup au Airbnb, on est complètement capote, il est 22h et quelques. On se boit tous un petit thé, on a commandé un McFlurry au McDo. On se retrouve du coup demain pour la suite des Vlogmas. On est crevé, Disney ça crève hein, à chaque fois honnêtement. Et demain, grosse journée aussi sur Paris, je vous expliquerai tout demain. Ouais, par contre, on était deg, le spectacle de Disney, on n'a pas compris, c'était tout en anglais. Je me rappelais pas quand dans mes souvenirs, c'était en anglais comme ça. J'étais un petit peu deg parce qu'on est à Disneyland Paris quand même, la base, un petit peu les chansons en français quoi. Tant pis. Écoutez, gros bisous, moi je vais aller à la douche, me laver les cheveux et tout ça et tout ça. On mange notre McFlurry et au dodo. Allez, à demain, bye! Hello tout le monde, on se retrouve dans le Vlogmas numéro 13. Aujourd'hui, on part faire un tournage sur Paris. Donc, je sais pas si je peux en dire plus ou pas. Donc, je leur poserai la question quand j'arrive et je vous expliquerai. Sinon, on en saura plus tard. Il fait super froid aujourd'hui, je crois. On a un ressenti de moins 6, moins 8, ils disent. On s'est couvert quand même, mais c'est pas le même froid hein, comme au Canada, comme on disait. Lui, c'est plus humide. Nous, au Canada, c'est sec. Et non, c'est clairement gelé. D'ailleurs, ça s'entend à ma voix. Je pense que j'ai la voix fracassée. Bah écoutez, c'est parti pour les transports. On va prendre deux RER parce qu'il faut aller sur Saint-Denis au niveau des studios. Donc, on se retrouve là-bas. Ciao. On arrive au studio 217. Attention, un gros prime approche. On va voir ce que ça va donner les backstage de TF1, les gars. Bon, on est rentré à la maison, je vous montre vite fait les achats qu'on avait fait à Disney. Franchement, j'étais raisonnable. Déjà, j'ai gardé ce petit sac. Il est trop beau des 30 ans de Disney, un sac réutilisable, pas trop gros, assez petit. Gros craquage sur la tasse Disney des 30 ans. Ouf, j'ai failli la faire tomber, mais il y a bien écrit 30. Elle est magnifique avec mini Disney, le château derrière. Là, vous avez Donald, les 30 ans spécial, des étiquettes, avec écrit Disneyland Paris. Incroyable. Et en plus, je sais pas si vous pouvez voir, mais moi j'ai l'impression que ça fait 30, mais en même temps, ça fait la tête de Mickey. C'est excellent. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ceci, c'était trop cute. C'est des petites, déjà c'est un petit Mickey comme ça qui est trop beau en forme de bonhomme de neige. Et à l'intérieur, dans c'est écrit Disneyland Paris, ça va être des petites confiseries. C'est écrit que c'est des petites confiseries à la noix de coco. Ça va plaire au chéri parce que le chéri adore la noix de coco. Évidemment j'ai pris, vous avez dû le voir juste avant là dans le vlog, mes oreilles tic et tac des 30 ans, magnifique. J'ai pris un petit autocollant, non, un aimant pour le frigo des 30 ans bien entendu. Et regardez ce que j'ai trouvé, si elles sont pas trop cute, elles sont toutes petites, c'est mini et Mickey, mais en mode noir et blanc, donc ça date des premiers dessins animés de Mickey, et j'ai trop craqué, c'est des Mickey vintage quoi, j'aime trop, sans couleur, c'est magnifique, elles sont toutes douces, elles sont toutes petites, elles sont trop belles. Je les ajoute dans ma petite collection. Comme vous avez vu, j'y avais aussi Mickey mini en mode cuistot. J'ai pas trouvé les Mickey mini des 30 ans, j'étais dégoûtée. Voilà ce que j'ai ramené, franchement j'étais largement raisonnable. Ah si, j'ai oublié le principal que je voulais absolument, c'est le tour de cou des 30 ans qui est incroyable avec Mickey mini. Bon là il est dans le désordre bien entendu. Voilà, Mickey et Minnie, les 30 ans. Magnifique pour mettre les clés. Il est canon! Et regardez ce qu'on a trouvé à Lidl. On a été faire quelques courses avant le match ce soir. C'est motivé après le trajet et tout, aller faire quelques courses. Et on a trouvé un petit conifère, un petit sapin dans un petit pot comme ça. Père Noël, trop mignon. Moi, je garderai le petit pot aussi, trop chou. À chaque fois, Lidl, ils font toujours des belles plantes et tout. Bon, oui, c'est sur mes WC. Je suis désolée, mais sinon, Pacha va me le bouffer. Donc, il n'y a que là où je peux le mettre. Sinon, ou dehors, mais comme il pleut, il va être défoncé. Donc, voilà, je le laisse là. On a pris aussi des petits mouchoirs comme ça chez Lidl, des petits paquets. Ça m'avait manqué, des petits paquets comme ça. Ils sont en mode hiverno. Regardez. Les paquets comme c'est trop mignon et on dirait pas un peu Harry Potter, Ron, Hermione, non mais mort de rire. Et par contre il y a le petit chat il est trop chou avec sa petite chat. Oh non je craque. Autre chose qu'on a pris aussi à Lidl, on a pris du foie gras de Cyril Lignac. Donc je savais même pas qu'il faisait du foie gras Cyril Lignac. Bah il en fait dans les cuisines et tout, mais je savais pas qu'il avait sorti comme ça pour qu'on l'achète nous-mêmes. Donc je suis bien contente. On a pris de la mozza, du roquefort, on a repris des betteraves, des carottes râpées, du taboulé. Le taboulé à l'oriental de chez Lidl, je l'aime tellement. Une bûche de chèvre, parce que ça les bûches de chèvre, j'adore ça. On a enfin acheté nos endives pour faire des endives à la bichette. Il m'a tellement manqué, vous savez combien ça a coûté, une fortune ça à Québec. J'ai pris de la salade aussi en sachet comme ça. Le boudin noir à l'ancienne, je l'aime tellement de chez Lidl, ça vaut rien. De l'aligot, ça m'avait tellement manqué. Des allumettes de jambon et des lardons. Alors là je suis outrée, ça me rappelle toute mon enfance. Des truffes noires, mes grands-parents me faisaient toujours. Des omelettes de truffes pour les fêtes et tout, donc on a trouvé des vraies truffes. Bon, il y en a pas beaucoup, mais pour nous, pour deux, ça suffira amplement pour les fêtes. Il y a 20 grammes, hein, c'est pas énorme. On les a payés 25 euros, mais les truffes c'est très très cher. Donc, mais j'ai trouvé
pris ça à Lidl, choutré. On a pris ça aussi, les petits moelleux au chocolat, ça c'est trop bon. C'est vraiment des trucs pour dépanner, une petite quiche au poireau aussi pour dépanner qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Des épinards hachés à la crème. Et on a pris ça aussi, vous savez qu'avant on achetait carrément les camemberts qu'on mettait nous au four, mais maintenant ils l'ont fait spécialement, c'est tout prêt. En 15 minutes, vous le mettez vous-même au four. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté parce que nous, ça y était pas quand on était parti il y a un an et demi. Oh, on va se régaler. Ça pue dans le frigo, mais ça va être trop bon. Bon, ben voilà, sur ce, nous, on va regarder le match France-Maroc et on se retrouve demain pour la suite des Vlogmas. Bye!